C'est le Club Boncœur qui a fait venir une exposition itinérante à travers le Canada, qui a été conçue par le ministère de l'Agriculture et l'Agence spatiale canadienne. Cette exposition-là s'appelle « De l'espace à l'assiette » et elle est en rapport avec nos satellites canadiens et l'agriculture canadienne. Le RADARSAT 2, dont on va parler dans cette exposition-là, a été envoyé en 2007 et ça fait déjà 12 ans qu'il travaille à nous fournir des informations sur la qualité des sols. C'est un satellite radar. La différence des autres satellites, lui, n'a pas de télévision, n'a pas de vidéo, il ne fait pas de photos. Il envoie des ondes et il reçoit de l'information. Et ces ondes-là sont tellement puissantes qu'ils peuvent justement donner des informations sur l'humidité des sols, sur la qualité des sols, c'est-à-dire les minéraux qui y sont, et même sur la fragilité des sols. Disons que je suis un agriculteur, j'ai une ferme ici à Baie-Saint-Paul, puis ces données-là que RADARSAT obtient, comment est-ce que ça peut m'être utile à moi? Alors, par exemple, toutes ces données-là de leur terrain, est mis dans l'ordinateur de leur tracteur. Et justement, le tracteur va arroser. Tout à coup, il va arrêter d'arroser parce que le RADARSAT a dit que cette portion de terrain-là est assez humide et va repartir à arroser plus loin parce que cette portion-là en a besoin. Alors, c'est cette façon-là qu'on peut faire des économies d'eau, d'insecticides et de pesticides. Parce que ça marche comme ça pour l'eau, mais c'est le même principe pour les insecticides et les pesticides. Exactement, parce qu'on peut reconnaître où sont aussi les essaims de moustiques ou d'herbes qui ne sont pas nécessaires. Alors ici, si nous étions à bord du satellite, c'est la vision que nous aurions. Le satellite, lui, c'est comme ça. En noir, ici, c'est l'eau. Ici, on s'en va vers une période d'inondation. Alors en rouge, ici, c'est l'humidité. C'est ce que le satellite, le radar, va voir. C'est ce que nous verrions et à l'œil nu et qu'on ne serait pas capable d'évaluer. Alors, le RADARSAT va faire un travail beaucoup plus précis. Pourquoi est-ce que l'eau est noire, en fait? Parce que les ondes radar sont bien réfléchies sur des matériaux comme le métal, tandis que les cours d'eau sont noirs, car l'eau ne renvoie pas l'onde radar au satellite. Ça va faire 3 mois que je suis ici. J'ai eu régulièrement des agriculteurs qui sont passés puis qui nous félicitaient de cette exposition-là, dans le sens « Ah, vous faites connaître ce que nous, on profite depuis plusieurs années. » Alors, j'ai pu avoir un son de cloche très intéressant de la part des agriculteurs qui, eux, connaissaient et m'ont confirmé l'aide de ces satellites-là sur leur production. On est très, très, très fiers de vous recevoir. On a travaillé très, très fort pour ça. Mon père a mis pas sa santé en péril, là, mais je dirais que, mettons, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil dans les 2 dernières années. Fait que, non, on est content que tout le monde puisse voir le travail accompli. Bien, en fait, l'innovation est venue principalement après le feu. En fait, on s'est posé plein de questions par rapport à l'incendie, la raison qu'on a eue au niveau de l'incendie. Dans l'ancienne porcherie, on avait beaucoup de chauffage au propane avec des flammes ouvertes, mais en bio, on a de la paille au sol. Donc, évidemment, flamme, paille, c'est comme un cocktail assez intense. Puis, on avait aussi des globes chauffants qui réchauffaient les porcelets à la naissance, qui chauffaient beaucoup. Mais de temps à autre, il y en avait qui éclataient. Mais quand un globe est en pleine chaleur puis qu'il éclate sur de la paille sec, évidemment, ça peut être une problématique aussi. Fait qu'on s'est posé beaucoup de questions. Fait qu'on s'est dit comment on pourrait trouver une façon de donner un confort à nos porcelets sans avoir de lampe. Fait que la solution, évidemment, c'était par chauffage de plancher, par radiation. Fait que chauffer les planchers à l'eau chaude. Fait que là, a émergé l'idée de la biomasse.
Puis on avait aussi l'autre affaire, c'est qu'on avait des écorces à Saint-Hilarion qui étaient disponibles à ce moment-là, qui baissaient nos coûts de chauffage, qui ont rentabilisé le projet. La boucle, on utilise des écorces qui viennent de la forêt de Charlevoix. On les brûle, puis on reprend les cendres, puis on les rétend dans le champ. Fait que la biomasse est venue naturellement, puis là, on est bien content d'avoir la biomasse, parce qu'aussi, on sèche nos grains avec la biomasse, on est en pleine récolte de grains. Fait que le séchoir, avant, chauffait au propane, ça coûtait 25 à 30 000 $ de propane à chaque automne pour sécher nos céréales. Bien là, évidemment, c'est la même fournaise qui fait ça. La fournaise aussi fournit l'eau chaude pour le centre de transfo. Chauffe les garages. L'autre affaire, c'est qu'on avait le projet de séchage d'Ocara, qui est un résidu de soya, de lait de soya, mais qui demandait beaucoup d'énergie. Donc, si on l'aurait chauffé à l'électricité, séché à l'électricité ou à l'énergie fossile, le projet n'aurait pas été rentable. On avait une économie, mais on donnait 80 % de notre économie en l'utilisant en chauffage. Tandis qu'avec la biomasse, ça va nous coûter 5 % de l'économie. En chauffant la biomasse. Fait que ça aussi, ça a rentabilisé beaucoup le projet. Ça a plu beaucoup aux financiers aussi, parce que quand on leur a mis ça sur papier, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est là qu'ils ont allumé beaucoup, parce que là, ils ont trouvé, OK, wow, là, on a quelque chose qui tient et qui est le fun. Avant le feu, on produisait environ 50 parts par semaine. Puis on a une capacité ici de faire 100 parts par semaine. Donc, on va y aller par transition, évidemment. Il faut faire suivre aussi la culture des céréales, hein, parce qu'on cultive les céréales. Donc, il faut arrimer tout ça. On ne peut pas le faire de façon instantanée. Ça nous prend quelques années avant d'atteindre le maximum. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est pas de devenir si énorme que ça. Mais avec 100 cochons par semaine, je pense qu'on va être bien. On va diversifier nos productions aussi. Le confort des animaux, c'était votre priorité avec le bio. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bien, ces animaux-là, ici? Là, avec le chauffage au sol, ben eux, ils peuvent se regrouper ensemble là, directement sur le plancher. Là, fait que c'est le contact est direct. Comparativement, mettons, à une lumière qui vient d'en haut, ben, souvent, si les cochons sont plus éloignés, ben, ils n'ont pas nécessairement la chaleur qui vient avec. Puis, nous autres, en bio, ben oui, on a un cahier de charge à respecter avec EcoSer Canada, mais nous, on veut toujours en faire plus. Fait que c'est sûr que là, ils ont accès à l'extérieur, ils ont des grands enclos, ils sont toujours sur pâle. Puis, nous, avec nos employés, ben, on essaie de le faire le plus souvent possible, de faire le ménage, puis de remettre de la paille neuve pour que, justement, là, leur confort soit optimisé. Puis, on est à ventilation naturelle. C'est le fun aussi pour les voisins, parce que toutes les émanations, en fait, l'ammoniac, tout ça, qui est très peu présente, s'évacue à 40 pieds dans les airs. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de ventilateur. Quand on va passer à côté de la porcherie, là, ça sent jamais le cochon, là, parce que l'évacuation de l'ammoniac est faite en hauteur. Comparativement à une porcherie conventionnelle où les fans sont à hauteur à 1 mètre et demi, fait que là, toute l'ammoniac est poussée au bas. Fait que quand tu passes à côté, c'est sûr que ça sent la porcherie. Tandis que nous, c'est une belle façon de cohabiter aussi, parce qu'on est quand même près des voisins du village. Puis, c'est une inquiétude de la municipalité aussi quand on a eu le projet. Ils nous ont posé plein de questions. On a passé devant un comité de citoyens pour leur expliquer le projet, pour leur faire voir un peu comment on allait travailler. Fait qu'en fait, on avait des bâtiments qui étaient beaucoup plus près du chemin. On les a déconstruits. On s'est éloigné du chemin. Puis avec la ventilation naturelle, le boisé puis tout ça, les vents sont comme ça. Fait que ça sent pas, là. Il n'y a pas personne qui nous a averti, dit « Hey, ça sent le cochon, là. Il n'y a aucune odeur. » Fait que ça, on en est... Ouais, ça, on en est fiers, parce qu'en fait, il faut cohabiter avec nos voisins aussi. L'idée, c'est pas de les polluer quand ils passent à la galerie. Là, c'est ça. Thank you.
Bon, ici, on est dans la pouponnière. C'est l'endroit où on met les veaux à la naissance ou ce qui s'en viennent. Ils sont logés individuellement pour les trois premières journées de la naissance pour boire le lait de l'humain. Quand ils sont habitués ensuite à boire tout seul le lait à la bouteille, on les transfère de l'autre côté. Les bébés sont tous là, de 0 à 1 mois, puis de 1 mois jusqu'au sevrage à 2 mois. Ils sont logés sur des planchers chauffants. Ça leur permet, en tout cas, ils sont bien, ils sont couchés à la chaleur, puis ça permet d'éviter d'avoir un chauffage soit au propane ou électrique. La ventilation pour les veaux, bien, c'est une ventilation qu'il y a à pression positive, là. Il y a toujours de l'air qui est poussé puis qui sort automatiquement par les ventilateurs. Ils sont alimentés par une louve. Le bébé veau, en arrivant avec la puce électronique qu'il y a dans l'oreille, est reconnu par la louve. Puis ça lui prépare automatiquement son lait pour boire. Là, comme on peut voir, le veau numéro 6, il n'a pas le droit de venir, il est déjà venu. Il a déjà eu 4 repas sur 5 aujourd'hui. Il a le droit de venir 6 fois par jour. Puis on a toute la coupe de croissance. Le veau, quand il rentre dans la louve, l'ordinateur calcule tout de chaque veau. Puis on sait que dans 60 jours, il fait la courbe. Puis dans 60 jours, il va le sevrer automatiquement tout seul. De l'alimentation. C'est ici que le matin, les mélanges commencent à se préparer. Les gros silos bleus dehors, le panneau de contrôle qu'il y a là fait marcher tous les silos à l'extérieur de la ferme. La moulange, les grains, c'est acheminé dans ce gros mélangeur-là. Tout est mélangé, ça fait qu'à tous les jours, la vache reçoit à chaque bouchée, le mélange est homogène. C'est toujours la même chose qu'elle mange. Dépendant de la quantité de lait qu'ils font. Le mélange se fait, il est préparé, puis après ça, quand la préparation est terminée, de par le convoyeur, il y a un robot ici, distributeur. Lui, il décolle, il se charge tout seul, puis il va alimenter les vaches tout le long là, de l'air d'alimentation. De quoi? La moulée, c'est du maïs humide. Puis j'ai de l'orge qu'on produit à la ferme, de l'orge nu. C'est ça qu'on donne comme grain. Puis le supplément, c'est du tourteau de soya. Les silos sont dehors, le tourteau de soya, l'orge, le maïs est dans le silo, le plus petit silo des 4 en avant. Le maïs humide est là-dedans, puis c'est ça qui est pris à chaque jour pour... qui fait que la ration est équilibrée à 17 ou 18 % de protéines. En fait, pour programmer une recette, par exemple, on vient dans programmation, recette. Là, on peut rentrer le nom recette, mettons, le tiers. Puis ça, en fait, c'est un ordinateur, là, donc on peut se connecter à distance. Là. Avec TeamViewer ou d'autres logiciels. Là. Puis c'est assez facile d'utilisation, assez intuitif, je vous dirais. Là. Mettons, comme là, ben mettons, je mettrais 3 kg de foin sec, puis 7 kg d'ensilage. Puis, mettons, paramètre avancé des ingrédients, ce serait pour dire, bon, ben moi, je veux que le mélangeur fonctionne pendant le foin sec pour hacher la fibre ou pour mieux mélanger, finalement. Moi, c'est Frédéric Trottier. Je travaille pour Multico Électrique, puis on fait des panneaux de contrôle pour les systèmes de ration totale mélangée.
une de nos forces, c'est vraiment la belle sérigraphie. Chaque sélecteur est quand même bien identifié. On sait, par exemple, que le sélecteur ici va faire partir le convoyeur. Puis quand les équipements sont en fonction, bien, les lumières allument aussi. Là, fait que ça permet de voir ce qui se passe au panneau. Là. Parce que la qualité de vie devient de plus en plus importante dans les fermes au Québec. Là, finalement, ici, c'est une entreprise qui est entièrement automatisée. Fait que, autant au niveau de l'attribution de la recette que de la fabrication, bien, les producteurs n'ont pas besoin de venir à l'étable pour faire les tâches quotidiennes. Là. Ça allège vraiment leur temps de travail. Qu'elles produisent le lait? Oui, c'est là que le lait des vaches est récolté. Par un robot? Oui, c'est lui le robot qui travaille. Là. C'est cet ensemble de machines-là. Pendant qu'elle se traite, ben là, si je me tasse de l'autre côté, puis tu peux voir ici, car on voit un écran. Le robot nous indique quelle vache qui est en train de traire. Il est en train de traire la vache 29. Ah! Ben là, il a fini. OK. Oui. Là, si on regarde ici, là, regarde, si je rouvre le panneau, tu vois l'intérieur, c'est là qu'est le mécanisme. Ça, c'est la cruche à lait de la vache qui a trait. Ça, c'est une réserve qu'il y a avec ce liquide-là ici. Lui, il a ramassé les premiers jets, puis là, il a analysé le lait pour savoir c'est quoi la conductivité du lait, la chaleur, savoir s'il y a des problèmes avec la vache, il va nous le dire. Comment vous faites pour savoir, pour identifier la vache? Il y a le médaillon qu'elle a dans le cou. C'est-à-dire? La médaille, en entrant, il y a un lecteur qui identifie la vache, puis lui, de par ça, il sait des données qu'on a entrées, il sait c'est quelle vache, puis son stade de production, combien est-ce qu'elle a eu de lait hier, comment est-ce qu'elle va en avoir aujourd'hui, puis de quoi qu'il s'attend à cette traite-là. Présentement, la vache qui était passée dedans, c'est une vache qui était fraîche veillée, qui était veillée de là deux jours. Fait que son lait, lui, il est séparé. Il a pris son lait, puis il est venu le mettre ici, là, dans la réserve des vaches fraîches veillées. Fait que nous autres, il nous dit là, que la vache... Il a séparé le lait, puis il l'a mis en arrière. En fait, là, on peut le prendre pour aller faire boire les bébés veaux, là, pour les 0-3 jours de naissance. Fait que toutes les vaches qui ont veillé, qui ont eu le bébé veau, il fait la séparation, il le met là. Après ça, il fait un lavage de tout le système au complet, vu que c'est du lait qui n'est pas bon pour aller au bassin. Lui, il va le séparer, il va se laver indépendamment. Après ça, il va rentrer l'autre vache. Les trois premiers jours que la vache a donné naissance à son veau, c'est du colostrum. C'est du lait qui va pour nourrir le bébé veau. Puis à la quatrième journée, là, le lait est acheminé directement au bassin refroidisseur pour aller pour la consommation. Vous, votre lait, est-il vendu dans Charlevoix? Oui, le lait produit est acheminé à la laiterie Saint-Fidèle à la laiterie Charlevoix. Fait qu'il y a une partie sert à faire le bon fromage en crotte qu'on a tous les matins, là, soit de la laiterie Charlevoix ou de Saint-Fidèle. Puis je te dirais que pratiquement 100% du lait produit dans Charlevoix est transformé dans les deux fromageries qu'on a là. Fait qu'il n'y a pas besoin d'aller à Québec en lait nature. Tu sais, ça rationalise un peu le transport, puis notre lait est produit ici, puis il est consommé ici. Non, il ne regardera pas celle-là. Tu ne reprendras pas? Non. Elle, il ne l'a pas gardée parce qu'elle n'a pas le délai. Tu sais, elle n'a pas besoin de se faire traire, elle, 5 fois aujourd'hui, là. Fait que là, il l'a envoyée parce que là, il sait que tu reviendras, il va faire, mettons, un intervalle de 6 heures pour y faire son 3 traites et demi par jour, pareil. La plupart viennent autant qui ont besoin de venir, mais il y a toujours des curieuses ou des affamées parce qu'ils ont soif un peu de moulé quand ils sont en train de se faire traire. Bien, eux autres, ils reviennent puis ils repassent. Il y en a qui viennent souvent. Non. Celle-là, il va garder.
Au début, c'est une brosse, c'est deux brosses collées côte à côte qui viennent faire le lavage individuel de chaque treillant. Elle va les laver deux fois chaque. En même temps, ça permet la stimulation pour déclencher la descente du lait de lavage. Pourquoi il y avait un rayon de lumière rouge? Et le laser, c'est lui qui repère les crayons pour la collecter. C'est une caméra 3D là, avec une lecture au laser. Là. C'est ça qui fait qu'il... C'est ce que sont les crayons. Il a enregistré là, les passages avant où est-ce qu'ils entrent. C'est ce qui aide à se connecter. Comme tu peux voir à l'écran, ben, tu vois chaque quartier de la vache. La dernière fois qu'elle est venue, elle avait une production de 10,2 kg. Ça veut dire qu'il s'attend à cette production-là qu'elle ait 10,2 kg. Elle est rendue à 5,7. On voit qu'il achemine le lait, il va l'acheminer au bassin parce que son lait est bon. Puis tu as la quantité de lait qui est produite trayon par trayon, quartier par quartier. Le temps qu'elle est rentrée dans le box. Puis combien de moulées qu'elle a eu. Elle a eu 1,5 kg. Si je viens peser, regarde, si je pèse ici sur Info de la vache. Là, chez de la vache, elle a 281 jours de lactation. Elle est gestante de 188 jours. Elle a une date de veillage qui est prévue le 9 de décembre, qu'on devrait arrêter de la traire le 10 octobre. Vous savez tout ça déjà? Oui, on sait tout ça déjà. On a chaque trayon, la quantité, la conductivité du lait qui est analysée. Le temps de traite de chaque quartier. Puis après ça, la température du lait, tu as toutes les données qui font que l'analyse va donner que si le lait, s'il peut avoir un quartier, qu'il peut avoir une infection ou quelque chose comme ça. Le fumier est acheminé dans les bassins qu'il y a en dessous du plancher. Il est stocké là pendant 24 heures. À 9 heures à soir, le séparateur, ça c'est le séparateur à fumier. Il sépare la fibre qui n'a pas digéré dans le fumier, là, le petit foin. Là. Il enlève ça, il extrait ça. Puis le jus, il le remet dans l'autre bassin, il y a un autre bassin en dessous. Quand il a fini sa séparation, là, ce qui reste du liquide est pompé directement à la fosse en haut. Ça, c'est un réservoir à fumier liquide là, qui a 148 pieds de diamètre par 16 pieds de hauteur. Ça, ça va être pour fertiliser la terre. Puis la partie solide s'en va dans ce mélangeur-là. Puis le fumier solide va là? Le fumier solide va là. Lui, il va être mélangé. Là, à toutes les heures, le mélangeur marche. Il le mélange pour le faire chauffer. En chauffant, ben, ça enlève les bactéries qu'il y a dedans. Ça brûle les bactéries. Après ça, au bout de 24 heures, comme ce soir, il va être étendu. Là. T'as un distributeur sur rail. Lui, il va faire partir tout ça tout seul aussi. Il s'en va selon les rails où ce qu'on lui demande d'aller. Il va étendre le fumier en dessous des vaches. Alors, viens voir dans la... Bonjour. Ça, là, si tu regardes ça, là, c'est du fumier de vache. Ça sent même pas. Ça ressemble un peu à de la tourbe. C'est de la litière verte. Oui. Ça, c'est tout épandu. Que ce que tu as filmé en dessous des vaches, là, ouais. Sont couchés, le litière, c'est ça. C'est comme une mousse de tourbe. C'est comme la paille au début. Oui. C'est les mêmes buts, les mêmes fonctions.